Bonjour les cuties, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le montage d'une nouvelle boîte. Donc c'est une boîte destinée à mettre des chocolats de base, des Ferrero. Mais après, vous allez pouvoir l'adapter évidemment à ce que vous voulez. Voilà. Elle s'ouvre comme ça, donc elle est à coulisses. Et ensuite, vous avez à l'intérieur un petit insert dans ce genre-là pour pouvoir caler vos Ferrero. Donc là, celle-ci, ça va être pour 3 Ferrero. C'est parti pour le montage. Du coup, au moment de la découpe, vous allez avoir un élément très long comme ça. Deux éléments comme ceci. Normalement, ici, c'est déplié et en fait, vous avez une grande languette ici, une petite et deux petites languettes comme ça. Donc deux avec les petites encoches ici. Vous avez l'ouverture-fermeture avec du coup la découpe des flocons ou vous avez aussi dans le projet un modèle sans les flocons. Donc vous allez pouvoir ajouter le motif que vous voulez, un prénom ou autre, comme vous voulez. Ou rien, voilà. Donc là, sur celui-ci, j'ai décidé de mettre un papier doré, mais vous pouvez très bien mettre de l'acétate, par exemple, si vous voulez une ouverture transparente, ou alors n'importe quel autre papier. Et du coup, le dernier élément, c'est celui-ci. Donc on va commencer par celui-là, c'est très simple. Donc vous avez juste à replier ici les quatre petites languettes du même côté pour avoir votre base de Ferrero. Voilà. Ensuite, donc sur l'ouverture-fermeture, donc moi je suis venue passer un morceau de double face ici tout autour et j'ai ensuite tout simplement mis mon papier doré. Et après ici, j'ai mis du scotch pour pouvoir le fermer. Donc là, pour cette boîte, j'ai utilisé des papiers pollen. Ils font 210 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai fait mes plis avec la lame de rainage, donc la double, pour tout ce qui est matériaux épais, pour moi, voilà, c'est la meilleure. Vraiment au-dessus du stylet, hein. Du coup, j'ai fermé donc mon ouverture et j'obtiens ceci. Donc ça, je peux le laisser de côté pour plus tard. Ensuite, je vais avoir besoin de ce morceau, donc le grand morceau, et de ces deux-là. Donc la première étape, ça va être de venir marquer tous les plis. Et vous devez obtenir quelque chose dans ce style-là. Vous marquez juste les plis et vous voyez déjà, ça commence à prendre forme. Et pour cela, alors je vais reprendre ceux de mon modèle test pour que l'on voit, vu que là j'ai déjà collé. Voilà. En fait, vous avez ça, et là le but du jeu, ça va être de plier ici, voilà, donc comme ça, pour avoir vos languettes ici qui vont aller du même côté. Donc vous devez obtenir ça. Et ici, les petites languettes. Moi, j'ai fait le choix de les plier l'une sur l'autre, comme ça, afin d'obtenir le petit espace dont on a besoin ici, et qui va venir en fait tout simplement compléter l'angle de ma boîte. Donc, vous faites le pliage, ici un peu de scotch, et vous assemblez les deux. Donc, vous obtenez ça. Voilà.
Et vous en avez un avec les encarts en bas. Et vous en avez un avec des encarts en haut. Et le but du jeu, ça va tout simplement être de venir les encastrer l'un dans l'autre. Donc un côté et le deuxième pour obtenir un rectangle comme ça. Donc je remontre au cas où. Donc vous pliez bien toutes vos languettes, les deux ici vers l'intérieur. Et ici tout doit bien se plier du même côté. Et vous avez ici les découpes, voilà, des angles. Donc ça vous permet de ne pas vous tromper et de ne pas couper dans l'autre sens. De toute façon, vous verrez, de pas plier, pardon, dans l'autre sens. De toute façon, vous verrez, ici vous ne pourrez pas plier, vu que celle-ci, le pli est plus loin que ici. Donc automatiquement, vous allez replier vers le plus petit côté. Les grandes à l'intérieur et les plus petites ensuite. Même chose de l'autre côté. Et après, on vient tout simplement encastrer. Donc, voilà. Et là, ça tient. Donc là, pareil, c'est toujours du papier pollen. Il tient très bien. Si vous utilisez un papier un peu fin ou que vous avez peur que ça se déchire ou autre, n'hésitez pas à mettre un petit peu de colle. Moi, je sais que j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas en mettre. Mais n'hésitez pas. Une fois que vous avez donc ce rectangle, vous allez prendre celui-ci. Vous avez bien marqué tous les plis, ça va vous aider. On va l'ouvrir. Et en fait, on va venir placer notre rectangle à l'intérieur. Vous voyez ici, vous avez donc une languette, un côté, une languette, un autre côté. Et ensuite ici, donc c'est la base, le dessous en fait de ma boîte. Et la même chose de l'autre côté. Côté, languette, côté, languette. Et là, on va venir tout simplement replier, voilà, en suivant donc les plis qu'on avait marqués au préalable. Voilà, et vous voyez, ça se fait assez facilement. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, pour être sûr, je dispose comme il faut. Et je vais venir donc coller ma petite languette dans le fond de ma boîte. Alors j'essaye de rester droite. Évidemment, c'est pas mon cas. Bon, je vais le finir comme ça, mais j'ai fait une petite bêtise. Ça ne se verra pas après, mais j'ai en fait je l'ai un petit peu trop rentré. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc pour pas que ça se colle tout de suite, repliez bien ici. Voilà. Voilà, et vous obtenez du coup le rectangle. Ensuite, vous avez juste à venir glisser le support des Ferrero. Après, si vous voulez mettre autre chose, un porte-clés, un marque-page ou je ne sais quoi, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais du coup, pour les Ferrero ou d'autres chocolats qui auraient éventuellement la même forme, voilà, je viens le mettre jusqu'au fond. Et là, vous voyez, c'est là qu'on voit du coup que j'ai un peu trop rentré ma languette. Mais bon, comme celle-ci ne va pas être offerte et que c'était mon modèle pour la vidéo, c'est pas grave. Et là, je peux tout simplement ensuite venir mettre mes Ferrero. Alors, soit juste vous les posez, soit si vous voulez vraiment qu'ils tiennent, vous pouvez tout à fait vraiment les encastrer dedans. Voilà, moi étant maladroite comme tout, évidemment, fallait qu'il y en ait un qui tombe. En plus, il en manque un parce que
mon fils qui est passé par là et qui évidemment n'a pas pu s'en empêcher. Je l'encastre, je glisse et voilà. Et ensuite, j'ai juste à rentrer ma boîte dans le couvercle. Et voilà. Donc vous pouvez le disposer à table en guise de marque-place avec un petit prénom. Par exemple, on peut imaginer ici à la place d'un flocon, un petit rond ou autre chose avec le prénom d'inscrit. Vous pouvez l'imaginer comme cadeau pour les maîtresses. Nous, c'est ce qu'on va faire du coup. Il n'est pas assez en français celui-là. Ou pour tout autre cadeau. Alors, qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Du coup, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle boîte parce que j'en ai encore plein en réserve. Alors, je précise que celle-ci n'est pas encore adaptée au format Joy. Mais si vraiment vous la voulez, je peux tenter. Mais ça risque d'y avoir quand même beaucoup de découpes parce que ce sont des grands morceaux. Après, je peux la tenter en plus petit. Mais j'ai d'autres modèles qui arrivent et qui sont compatibles avec la Joy. Sur ce, je vous dis au revoir et à très vite. Ciao le cutie !